Salut à tous et bienvenue dans ce tuto Glisshop dans lequel je vais vous expliquer ce qu'est un leash et comment bien le monter sur vos skis. Moi c'est Renaud, la semaine je suis en magasin à Aubière pour vous proposer mes conseils et trouver le matériel adapté à vos besoins. Et mes jours off, je les passe à faire du ski, du snowboard, de la randonnée ou encore de l'escalade afin de profiter de nos belles montagnes. Le leash, c'est la pièce qui va relier vos skis et vos chaussures quand vous faites du ski de rando. Il aura le même rôle que les stop skis en ski alpin, c'est-à-dire d'empêcher vos skis de partir si vous déchaussez, mais aura l'avantage d'être bien plus léger. Le leash est composé de deux parties indépendantes. Un anneau qui sera fixé sur la chaussure et une partie câblée composée d'une boucle et d'un mousqueton qui sera fixé du côté du ski. De plus en plus de marques prévoient une boucle câblée sur l'avant des fixations pour facilement mettre le leash en place. Pour les autres, il faudra trouver un moyen pratique de le fixer. Nous allons mettre en place le leash simplement sur l'avant de la fixation en faisant une tête d'alouette. Je repasse le mousqueton dans la boucle. Du côté de la chaussure, comme sur les fixations, de plus en plus de marques prévoient un emplacement dédié à la mise en place du leash. Si ce n'est pas le cas, il faudra trouver une façon simple et efficace de le fixer, sur les crochets par exemple. Le leash reste attaché au ski et on vient simplement mettre le mousqueton en place sur la chaussure au moment de skier. Il ne reste plus qu'à en profiter en toute sécurité. En cas de doute ou pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone, je vous renseignerai avec plaisir. À bientôt !